Salut les Globe Reporters, c'est Sidonie, votre envoyé spécial à La Réunion et à l'île Maurice. Eh bien, je suis bien arrivée mardi 23 janvier à 6h30 du matin à Saint-Denis. Il était 3h30 en France et je pense que vous étiez tous en train de dormir. Des amis qui m'accueillent durant la campagne devaient venir me chercher et finalement il leur a manqué une voiture. Alors, j'ai pris le bus. Juste le temps de prendre un café en arrivant pour ne pas m'endormir et je suis montée dans un bus jaune direction Saint-Pierre, au sud de l'île. Le trajet coûte 5€. Nous sommes passés par Saint-Denis, puis nous avons longé toute la côte, de Saint-Paul, à l'Ermitage-les-Bains, la Saline-les-Bains, Saint-Leu, les Avirons, Étang Salé. Et moi, je me suis arrêtée à Saint-Louis pour ensuite prendre un autre bus direction la rivière où je vais loger le temps de mon séjour à La Réunion. Malgré la fatigue, je n'ai pas fermé l'œil du trajet car le paysage est à couper le souffle. Une végétation luxuriante et d'un vert très soutenu. Et puis, quand nous nous sommes rapprochés de la côte, après Saint-Denis, les grandes plages sont apparues avec des vagues puissantes. C'est vraiment magnifique. Après m'être installée, je suis allée louer une voiture pour faciliter les déplacements pour les reportages, car les transports en commun ne sont pas très pratiques et pas très développés sur l'île. À La Réunion, il y a aussi beaucoup de bouchons. Il faudra donc que je sois vigilante et que je parte à temps pour ne pas manquer les rendez-vous. Allez, je vous laisse admirer le paysage et moi je vous dis à bientôt !